Alors, tant qu'on y est à parler de la manipulation comme ça typographique, je vous montre deux super astuces qui vont vous servir. Voilà, vous avez la possibilité de faire en sorte que de mettre le curseur dans une phrase et de faire en sorte que tout le texte qui suit dans le paragraphe n'aille pas à gauche du curseur. Donc c'est une espèce d'alignement. Je vous montre comment ça marche. Vous mettez le curseur dans une phrase, ça pourra vous servir. Faut noter ça et le ressortir quand c'est utile. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, retrait jusqu'à ce point. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, retrait jusqu'à ce point, et ça fait ce que ça doit faire. Tout le reste du paragraphe ne pourra pas déborder. Ça vous a inséré une balise, et si vous voulez annuler la chose, il va falloir la sélectionner, la balise. Voilà, ça peut servir. Donc pour supprimer ça, il faut supprimer la balise en fait. Vous avez la balise qui est là, quand vous faites un cliquer glisser sur elle, elle se sélectionne. Vous voyez que j'ai le curseur qui clignote là. Si je fais un cliquer glisser à cet endroit-là, comme ça. Cliquer glisser. On a une barre verticale qui ne clignote pas, qui apparaît. Ça veut dire que la balise est sélectionnée. J'appuie sur la touche suppression et la balise n'est plus là. Et forcément, elle ne fait plus ce qu'elle faisait. Le texte est redevenu normal.